La première fois que je l'ai rencontré, c'était au palais de justice. Il était fonce d'arès, la race de Mavor. Je vais sur l'abîme, super vénère. L'autre enculé était défoncé, j'y vais super énervé. Et le queblabla après, il m'avait pas interpabé comme ça sur la tête à vide devant tous mes sabots, le rat. Vous voyez le petit brin, là? Il est pas mal. Ouais, bah c'est un Mac. Un bel enculé, quoi. Vous seriez prête à vous faire draguer par lui? Vous déconnez, là. C'est bien payé? Bah ça dépend, 200, 300 euros. Ça y est, vous avez entendu ce qu'il me propose, cet enfoiré? Pourquoi toi, please? Non, mais ça va, on se calme. Tu fais souvent des arrestations comme ça? Non, c'est la première fois, moi. Je sais pas, tu m'inspires. Bon, mais tu tournes, pas, là? Moi, je te pisse à l'arrêt, connard. Et c'est votre femme? Je soutiens que mon client a été manipulé. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Mirbeau? Si j'étais un homme, je lui pèterais sa sale gueule de gros con. Madame Rubinski. Je prends celle-là. Et toi? Les rouges. Oh putain, tu les as volées? Ouais. Ils nous attendent où, tes flics? Bah, normalement, la gare. Tu crois que c'est eux, là? Non, ils sont pas des gueules de flics. Commissaire Malek, lieutenant Jean. Le mien est mieux que le tien, hein. Un petit pet, madame le juge. C'est pas tous les jours qu'on tire avec des keufs, hein. Mmh. Enfin, sur un pet, je veux dire. Vous n'auriez pas du dentifrice, par hasard? Si. Tu comprends pas qu'il y a des choses qu'on doit pas faire? Je juge, merde. Et me faire passer pour une pute dans un café, c'était un truc à faire, ça? T'étais d'accord, hein. Les conneries, on les fait ensemble, on les fait pas.